qu'en Grande-Bretagne, où est-ce qu'il y a juste des Anglais. Hein? C'est même pas ce qu'il y a. C'est en Grande-Bretagne, dans un bar, il y a un gars qui rentre avec un arc et une flèche. Il y a deux gars assis dans une table, puis il regarde ça, puis il dit... L'un qui dit à son chum, il dit, « Va aller lui demander qu'est-ce qu'il fait là. » Fait qu'il se lève, il part, il s'en va voir le gars, il dit, « Veux-tu me dire, qu'est-ce que tu fais avec une flèche maintenant dans un bar? » Il dit, « Là, tu vois la pomme sur le comptoir? » Il dit, « Va t'en dans le coin avec la pomme sur la tête. » Puis il dit, « Mets-toi ça sur la tête, va te tirer ça, bullseye, moi, sois pas inquiète. » Fait que le gars, il le regarde, il était pas trop sûr, mais il va pareil, il dit. Il met la pomme sur la tête, et le gars, il s'installe avec son arc, puis sa flèche. Drette dans la pomme. Le gars, il était tout étonné. Il s'en va voir, il dit, « Je peux-tu savoir c'est quoi ton nom? » Il dit, « Moi, I'm Robin Hood. » Robin Hood, en passant, man, il était tout époustouflé de ça. Fait qu'il y a un autre gars qui rentre avec un arc et une flèche, puis lui, il titube bien un petit peu dans le même bar, tu sais. Et là, il s'en vient, puis... Asti, j'ai de la misère à faire le gars chaud à cette heure, hein? Pas pareil, hein? Maintenant, c'est pas pareil. Avant, c'est moi qui allais rentrer dans le bar avec mon arc, ma flèche. Ben impacté. Fait que le gars, il rentre, puis il dit, va-t'en avec la pomme, puis va-t'en dans le fond du bar, m'a tiré ça direct dans la pomme. Le gars, il avait vu Robin Hood, il dit tout bien que c'était un bon tireur, là, mec, il prend pas de chance, il pogne la pomme, il se met ça dans la tête, il s'installe dans le coin, mon gars, puis... dans le front, mon red. I'm sorry.